Victor, activez le système furtif. À vos ordres, chef. Là, nous... Oh, le trou. La tuile. Coupez, on arrête. J'en ai vraiment marre que tu gâches tout, petit. Trouve-toi un autre boulot, t'es viré. Va me chercher le singe. Ouais, on se retrouve à la première, Clank. Agent Clank, voici ton nouveau partenaire. Ok, on oublie la poursuite et on enchaîne direct avec le final. Tu as bien lu le script jusqu'au bout. Bon, d'abord, tu échappes de justesse à une série de pièges mortels, là. Tu bats la terreur de Talos, voilà. Enfin, tu sauves la baronne, interprétée par la ravissante Courtney Gears. Ok. Et... action! Ok, dans cette scène, tu corriges les costauds et tu fonces à la poursuite de Maximilian. Essaie d'être crédible, ok? Action! Ouais, t'es bien dans le rythme. Fonce dans le bureau de Maximilian avant qu'il ne s'échappe. Ok, Clank est assez basque. Maximilian essaie de le semer dans les embouteillages. Super, j'adore les courses-poursuites. Ok, tu t'en sors bien, petit. Évite les lasers et retrouve le singe sur le parking du casino. Rentable en rien. Coupé. Ah merde. Tant pis, on va la refaire. Ah putain, il y avait un mur invisible. Allez, on la refait. Comme en répétition. Action. Ok. Clank est assez basque. Maximilian essaie de le semer dans les embouteillages. Super! J'adore les courses-poursuites! Ok, tu t'en sors bien, petit. Évite les lasers et retrouve le singe sur le parking du casino. Dans cette scène, l'agent Clank et le singe doivent oublier leurs différends et s'allier pour atteindre la corniche. Je veux en avoir les larmes aux yeux, ok? Comment ferait l'agent Clank pour traverser? Comment ferait le singe pour me permettre de traverser surtout? Je veux de l'émotion.
censé jouer, Clank. Alors joue. Ah. Ok. Je me demandais, il est... Non, le singe, il fait rien. Fantastique. Continue, Clank. Ok tout le monde, on y est. Le grand final, le Clank géant contre la terreur de Talos. Ne fous pas tout en l'air, gamin. Action! Je sais, il y a un boulon en or et... Non, y'a rien vraiment si je dégomme tout. Ok, faites entrer les ninjas géants. C'est comme un Godzilla volant. Hein. C'est ça, Clank. Continue. Bat-lui de... Je trouve que l'humour de ce jeu est vraiment intelligent. Être en permanence à la frontière de la glissade, c'est ce qui est de mieux. Hein. Une journée comme les autres. Coupé, on la garde. C'est dans la boîte, mes loulous. Tu vas faire exploser le box-office, Clank. Même les critiques vont adorer. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'être sauvé par un grand gaillard en alliage de titane comme vous. Et si vous me disiez ce que prépare le docteur Nefarious? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas le lui demander vous-même ?
Quoi encore? J'ai un cadeau pour toi, mon gros canard laqué. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Amène-moi l'agent Clank. D'accord, chérie. Où suis-je? Quelqu'un m'entend? Je dois être... Agent Clank, je suis honoré de faire enfin votre connaissance. J'ai suivi votre évolution depuis votre toute première mission, quand vous avez vaincu les morveaux monstres voleurs d'âmes de la Dimension X. Je crois qu'il y a un gros malentendu. L'agent secret Clank n'est qu'un rôle que j'interprète sur Holo... Mensonge! Mensonge! Non, John, ne pas. Je n'ai pas le droit. Tu es le fils de l'oncle de mon cousin. Vous êtes un héros pour tous les robots de la galaxie. Et vous refusez d'assumer votre destinée. Vous préférez plutôt lécher les pieds des bouseuses organiques. N'avez-vous plus aucune dignité, agent Clank? Les formes de vie organiques ont autant le droit d'habiter cette galaxie que nous. Je ne vois aucune raison d'exister. Vous voulez une raison valable? Allions-nous. Et ensemble, nous dominerons la galaxie des robots. Si vous refusez, vous continuerez de trahir les vôtres. Et vous suivrez alors vos bouseux adorés, jusque dans les méandres de l'oubli! Ça, c'est du méchant qui rigole pas, hein. Je comprends pas, Clank aurait déjà dû revenir. Pourquoi il met autant de temps? Oh oh.
dur. Oh merde! L'abus. Il y en a beaucoup hein, quand même. Wow, c'est tendu.
t'étais passé? Je commence à m'inquiéter, moi. Je me faisais graisser les pignons. Ouais, t'as bien choisi ton moment, mon vieux. Elle est où, Courtney Gears? Miss Gears a quitté la planète. Que quoi? Et pour Nefarious, alors? Elle t'a dit où il était? Il est à bord d'un croiseur galactique du nom de Léviathan. Ah, ok. Bah, bien joué, Clank. Bon, bah, j'appelle Sacha pour lui dire de pister ce croiseur, alors. Toujours en plein? De la balle. Il n'y a pas deux minutes, cette limousine spatiale super tunée se pointe ici. Et devinez qui en sort, les mecs, un truc de ouf. Courtney Gears! Elle t'a repéré? Que dalle, mec. Je suis resté bien planqué, discret et tout. Plus discret qu'une ombre, mec. Et t'es sûr que c'était elle? Carrément, elle m'a même dédicacé mon t-shirt. T'as une idée de combien il vaut, mec? Tire-toi, dégage. Et attends un peu, mec, on a de la compagnie. Eh hey, les mecs, vous venez pour le t-shirt? Hey, le prix de départ, c'est 300 boulons. Hé, hey, du calme, mec. Hé hey. Ce qui est des mal. Vite, il faut retourner sur les lunes de Bani. Son rôle, c'est d'être Eddie Murphy. Est-ce qu'on irait pas faire les égouts? En vrai. Parce qu'il y a urgence, quoi, mais... Genre, le loot d'abord, quoi. Par contre, je vais fermer ça parce que... Sinon, j'ai un vilain contre-jour qui n'est pas agréable du tout. Donc les égouts, ça doit être là, je pense. Ouais. Ouais, par contre, je vous rassure sur un truc. Alors, ah oui, d'accord. Je voyais pas ça comme ça. Ok. Bon, deux cristaux. Oh, potentiellement. C'est trop bien en vrai. Alors ouais, moi je les aurais vus. Je les aurais vus dans le coin là qui est pas trop exploré. En vrai, c'est ce qui paraît le plus logique. Hein.
sans surprise. Bon, et du coup il m'en manquera un dans la partie basse. Mais alors là pour le coup... Okay. Il n'y a pas de carte, mais non. Ah putain, s'il n'y a pas de carte, c'est tellement la merde. Ah la vache.
Putain, je me perds. Il y a 3 zones hautes, je crois, avec 15 cristaux chacune. Ah bah. Parfait. Le dernier des cristaux en bas. En plus, je crois que les couleurs ils suivent même pas la forme du truc en dessous. Ah, il y a les lumières au bout. Ok, on a changé d'air là du coup. Ça se trouve, il suffit juste de suivre les... Sur un chemin de couleur.
Ça se trouve, la zone bleue, c'est juste la zone inférieure. Ah, et puis le problème c'est que sans plan... On va essayer de viser les passerelles. Peut-être être une bonne idée. D'aller de passerelle en passerelle. Tiens. Déjà ça, je suis sûr que j'avais pas vu. Zone rouge à nouveau. Ah non, je pense que il y a que 3 zones. Tiens. Et du coup là... Je comprends pas du coup. Parce que si on suit la logique, il devrait y en avoir un ici. Il n'y en a pas.
Putain, c'est un labyrinthe de bâtard. Est-ce que les mini amis... Non, j'ai pas de preuve. C'est bizarre la manière dont ils spawnent. On va retourner voir le truc. Je vais essayer de trouver une carte sur internet. Ok, bon. Déjà, on va partir du principe que la zone basse, elle est finie. C'est un présupposé qui est fort, mais j'ai pas le choix. Donc, on va aller jusqu'au premier croisement et on va aller tout droit. Donc, j'ai pas rêvé, hein. Y a bien 3 zones. Alors une fois qu'on est là, si on avance jusqu'au premier tournant, il y en a une ici, qu'on a eu, ici, il y en a une juste là, qu'on a eu. Ça va être dur mais faut que je garde le repère. Voilà. Là, ensuite, il y en avait une ici. Face à la boutique Gadgetron. Donc. Ok, ensuite on avance. Là il y a un tournant, ok. Donc là il y en avait une. Là il y en avait une. Là, normalement, devant, il y en a une, du coup.
Ok, bon, après j'ai déjà eu. Donc ensuite, là il y en a une. Ok, je pense que le nombre d'ennemis traduit. Ça donne une information. Donc là, ouais, qu'il y en a une devant moi, c'est bon. Ok, bon. Du coup, ensuite, là, on a le couloir qui descend, et donc on va aller tout là-bas. Ok, donc là normal, je l'ai eu, il y avait un petit cristal qui traînait aussi. Et donc là, ici, il y en avait un suivi d'un cristal. Avec un chemin qui descend. On voit là, ok. Et en avançant un peu plus, du coup j'ai un coude là. Sur la gauche, puis à nouveau à gauche. Donc ici j'en ai un et j'avais un cristal au sol. Ok. Ici j'en avais un, donc faut que j'avance. Attends, que je me fasse pas avoir. Donc là le coude est là. Là j'ai un. Deux embranchements. Trois embranchements. Avec un truc ici. Qui a été pris. Ok. Du coup, là, en face à face. Donc je suis venu de là, donc je regarde vers le bas, donc il y en avait un par là. Alors attends, si je transpose mon champ de vision, regarde vers le bas. Non, j'ai tourné ma caméra. J'ai tourné ma caméra. Donc moi je venais de là, ici. Donc là si je regarde vers la droite, ça correspond à la gauche sur le dessin. Ok, donc on est là. Ok, donc là ici, du coup, faut que j'aille par là-bas. Ok, donc là je vais voir le truc gadgetron là-bas à ma gauche. Ok, donc je suis bien ici. Ok. Ok, du coup là je arrive ici. Donc ok, donc on est là. Ok, donc ensuite cette salle-là, on va monter jusqu'à avoir l'intersection qui prend à droite. Non, attends. Parce qu'une fois qu'on l'a, il y en a un. Oh, il y en a un là normalement.
Ok, bon, normalement, là, sur la... J'ai un truc qui descend et un couloir qui repart. Ok. Du coup, je suis revenu là et donc là, on va descendre. Et donc là, du coup, de mes déductions, il me reste une zone entière à parcourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai chié un truc quelque part. Attendez, je vais me moucher parce que je suis à moitié malade. Toc. Je reviens. Ok, I'm back. Bon, j'ai chié dans la colle, a priori, en suivant le plan. On va essayer de rattraper ça comme on peut. Donc. Faut qu'on suive le bar. Bien, si je me rappelle. Ah oui, ok. Oh, d'accord. Voilà, et là on arrive du coup dans la zone que j'ai pas encore explorée. Voilà, parce que la zone gelée, je la connais pas.
Alors où est-ce qu'on est là du coup? Alors, du coup, on est. Je suis dans la salle qui est là. Donc, là, face à moi, j'ai le truc qui descend. Donc, si je me tourne comme ça, je l'ai sur ma gauche. Donc, faut que j'aille par là-bas. C'est ça, faut que je l'aie à ma droite. Ouais, ok, nickel. Donc, là, ici, à droite. Ensuite, je devrais en avoir un posé devant moi. Voilà. 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 Ensuite, on avance juste. Il y en a deux, donc là on les a pris, on fait demi-tour, on avance jusqu'ici, et donc c'est le moment un peu emmerdant, il va me manquer deux. Voilà, donc là j'ai le coude et un vendeur gadget. Alors du coup, attends, on va se poser parce que j'ai commencé par aller récupérer celui qui est là, ensuite... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Techniquement, je devrais être à 18. Ah, ok. Je suis foiré la caméra, ok. Ok, donc là c'est maintenant, il va falloir que je réfléchisse. Techniquement le haut, je peux considérer que je l'ai bien pensé. Donc on va essayer peut-être d'aller refaire le bas, pour voir. Pire, je me laisse tuer, comme ça me fait partir du bon endroit. Alors, où est-ce que je suis? Je suis juste au-dessus là. Ok, donc alors, on va reprendre point par point. Donc, alors là, si j'avance, normalement. Yeah.
Là, il y en avait un. Ici. Ok, donc là, dans la coudée. C'est pas tout à fait la même forme d'ailleurs sur le guide que je regarde, mais en gros, ça devrait être suffisant. Donc là, il y en avait. Là, il y en a 2 plus 1 au milieu. Et là, il y en avait 2. Ok, bon, il n'y a rien. Du coup, là, on a vérifié. Donc ça, 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 ça. Ça, du coup, on va remonter par là. Ok. Je pense pas que ce soit là, honnêtement, mais... Là, ok. Ici, donc là. Là, si j'avance tout droit vers le mec. Alors moi, je miserais quand même vachement plus sur les zones suivantes. Bah surtout, ouais, là c'est... En fait, là c'est le départ, donc... Après, avant de commencer, il me restait. Normalement, avant de commencer, j'avais vérifié que j'avais tout fait en bas. Le problème, c'est que là, je les ai refaits, quoi, le haut. Techniquement, si j'arpente les égouts ad nauseam, je vais finir par tomber dessus, mais... Encore que, faut que j'ai une idée de l'endroit où c'est, quoi. Pareil. Si on raisonne par élimination, je sais que là, ici, dans la zone du bas, j'en ai trouvé 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4. On va les compter par paquet. 3, 6, 10. 13, 16, 18. J'en ai compté 18 ici. Comment je peux faire? Tiens, si je sais ce que je vais faire. Je vais essayer d'aller voir. Je sais qu'il m'en manque. Il y en a 45 au total.
Je vais essayer d'aller voir sur mes rediffs de live l'avantage. Quand est-ce que j'ai fait ça? Bon. À tous les coups, ça. Ça doit être là. Ouais, je pense que c'était là. Ouais. Je retourne me moucher, c'est infernal. C'est ce que j'ai fait les égaux, moi. Je crois que c'était là. Hein. J'ai pas dû le refaire après. Je veux vraiment juste voir écrit à l'écran, il reste 45. Là, j'ai trouvé le moment. Okay. Quand je dépose, faut qu'il y ait écrit 45. Sinon, c'est que c'est en bas. Ok, donc il y avait écrit, il reste 47. Mais. Tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé. Ah mais est-ce que je vais l'avoir mon live là d'aujourd'hui? Oh. Je peux pas le voir. Fuck. Je suis quasiment sûr que sur mon live d'aujourd'hui, j'ai commencé par aller chercher les deux qui manquaient. C'est con, je me dis la présence d'ennemis devrait être un indice de... qu'on peut focaliser pour l'instant sur deux zones et voir au besoin. Sur laquelle je me fais moins confiance. Sur lequel je me fais moins confiance. Yeah.
va refaire celle du bout. Après ça se trouve c'est pas moi qui l'ai foiré, c'est juste le spawn qui est... qui s'est pas déclenché, je sais pas. Je me demande s'il n'y a pas un truc plus tard dans le jeu aussi. Je pense à ça parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait un truc comme ça dans le premier. Putain, j'ai mis Swamp, mais je suis un connard, c'est Sewer. Mapomatique. Il y a un, ok, il y a un item qui permet de le faire. Bon, on va pas insister du coup. Le rapport temps énergie dépensée ne... Allez, allons-y. Bon, donc ça c'est... pardon, c'est ça que je voulais faire. Et je voulais aller au Phoenix. Parce qu'on a l'épisode 3 de Quark à faire. Ça, j'achète l'armure au passage. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi il n'y a pas de café dans la cafétéria? C'est pourtant pas compliqué. Épisode 3. L'ombre du robot. Pendant 6 jours, le capitaine Quark resta collé au vaisseau comme une vulgaire fiente verte d'oiseau galactique géant. Puis...
puis le vaisseau arriva enfin à destination, un labo robotique secret sur la planète Magmos. Grâce à son extrême maîtrise de l'art ancien du déguisement, Quark put se glisser dans le labo sans être repéré. Est-ce que quelqu'un... quelqu'un a commandé une pizza ? Le plan de Quark était parfait. Mais à l'insu de notre héros, ses moindres faits et gestes étaient observés. Le célèbre capitaine Quark ne peut pas être aussi stupide. Putain, c'est fou. Même les imbéciles heureux peuvent exceller dans certains domaines, monsieur. Les savants fous, par exemple. Dois-je le faire éliminer, monsieur ? Laissez-le venir à nous. Je lui réserve une surprise des plus surprenantes. Alors... Je suis quand même content de les trouver ceux-là. Ah les bâtards. Ils en avaient planqué un ici. Delbor.
Oh non. Let's go. Putain. First try. Je trouve, attends. Je suis le plus grand génie que la galaxie ait jamais connu. Tu ne fais pas le poids contre ceux de mon espèce. Ah, quelle répartie! Au lycée, je fichais des raclés à ceux de ton espèce. Je parie que ta cavalière au bal de fin d'année fonctionnait sur pile comme toi. Attends, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps qu'on se connaît, non? Non, je veux dire non, bien sûr que non. Le cours de bio de Monsieur Bozel en troisième. J'ai détesté la biologie. Je te remets, toi. Tu captais la radio avec ton appareil dentaire. Tu te souviens comme j'essuyais le tableau avec ton pantalon pendant que tu le portais? Ah, c'était le bon vieux temps. Tu étais trois fois plus grand que moi, espèce de gros lourdeau. J'ai toujours été grand pour mon âge. Tu avais 26 ans. Hé, hey, une petite démonstration en souvenir du bon vieux temps. Je pense que le docteur Nefarius est maintenant de l'histoire ancienne. Allons fêter cette nouvelle mission victorieuse. Mais le danger n'était pas écarté. Car en repoussant une menace de la galaxie, Quark en avait engendré une autre encore plus terrifiante. Mystère et boule de chewing-gum, hein. Putain, ça va super loin cette saloperie. Prochaine que j'achète, je pense. Quelqu'un peut me dire à quoi sert le gros bouton rouge? Sur ma barre de vie, je me dis qu'on va plus être très très loin de la fin du jeu, genre.
peux pas être épileptique, hein. Voici la salle des essais du bio-oblitérateur. Voyons un peu ce que Nefarious mijote. Waouh! Je vous savais pas si coquine, Miss Gears. Jamais tu la fermes. Ok, je la boucle. C'est dingue ça! Les gars vont jamais me croire! Yeah, on va supprimer tous les bouseux, man. Que quoi? Ils ont transformé Skid en robot! Mais enfin, c'est impossible! Pas pour le docteur Nefarious. N'aie pas peur, Ratchet. Tu ne sentiras rien, mon loup. Enfin, presque. Tu verras. Ça va te plaire d'être un robot. Ouais, ben voyons voir si tu te bats aussi bien que tu chantes. Il y avait écrit casserole, hein. La casserole a dérouillé, on dirait. Clank, est-ce que ça va? Transmission du Phoenix. Croiseur de Nefarious localisé. Il fait le plein dans le spatioport de Zeldren. Le capitaine Quark est déjà en route. Ah, c'est peut-être un piège. Alors comme ça, Courtney Gears voulait nous avoir. De toute façon, c'est sûrement notre seule chance d'arrêter Nefarious. Rejoignons Quark au spatioport. Sois prudent, Ratchet. Allez, Clank, on s'occupera de Skid plus tard. Ouais, supprimer les bouseux, ça le fait, mec. Spatioport de Zeldren. Pour des raisons de sécurité, les ogives thermonucléaires et les coupes ongles ne sont plus autorisées en cabine. Alors, on est à Zeldren.
Ok, ouais, il nous reste quand même 2 bonnes heures. 3, 4 bonnes heures même. C'est tourner la page sur ces histoires. C'était la saison des amours, je ne savais pas que c'était ta sœur. Salut, ça fait longtemps que vous êtes là. Trop longtemps. Eh bien, restez pas là et mettez-vous au travail. Il s'est tapé avec sa sœur. Nous infiltrerons le croiseur galactique. Une fois à bord, on trouve Nefarious et on l'arrête. Est-ce que vous êtes prêts? On aime. On aime, on aime, on aime. En vaisseau. Ouais. Parce que je craignais. Putain, vache. Agitation dans le secteur C3. Tout le personnel de sécurité est appelé. Ne reste pas près des bassins de lave et d'électricité.
c'est pas du tout ce que j'étais parti chercher en fait. Ah. À quoi tu joues là? Dégage, je prends les commandes. Non, merci. Moi, je préfère rester vivant. Laisse tomber, soldat. C'est un ordre de ton capitaine. Capitaine, mon... Attention, mon assassin à pas sur ce levier. C'est trop calme. J'aime pas ça. Encore une fois, mon plan génial a complètement surpris l'ennemi. Je crois pas. Message reçu. Il est une nouvelle, hein? Oh, rien. Séparons-nous pour trouver le vaisseau. N'oubliez pas, Nefarious est à moi. Sauf si on est les premiers à le trouver. Allez, viens, Clark. Évidemment. On va venger Skid. Par quoi je remplace? Bon, en vrai, le bouclier, je joue pas beaucoup avec. On va plutôt prendre le trait noir. C'est une très bonne idée d'avoir mis messieurs, nous vous attendions. Les bouseux sont arrivés, monsieur. Capitaine Quark, tu as forci depuis notre dernière rencontre. Ah ? Pourtant, Courtney Gears ne s'en est pas plaint. C'est pour ça que c'est si bon, Pamela. Tu sens, mon cœur bat comme une enclume. Oh, je me délecte de ces instants. Rira bien qui rira le dernier. Si je t'ai entraîné ici, c'est pour mieux te vaincre. Séquence d'autodestruction activée. Préparez-vous à mourir. Lawrence, téléportez-nous donc ailleurs. Bien, monsieur. Lawrence? Lawrence, c'est pas drôle! Qu'est-ce que t'attends? Ce vaisseau va exploser d'une seconde à l'autre! Je crois que j'ai vu quelque chose d'important! Je dois vérifier! Je vous retrouve à l'astronef!
blam. Bouge-toi! Nous devons partir. Jamais sans mon Quark. Il nous aura attendu, lui. Enfin, je crois. Rien à faire. Attends! Clank en train de devenir méchant. Heureux que vous soyez. Elle vient de lui rouler une pelle, on est d'accord? Est-ce que vous avez vu d'autres vaisseaux quitter le croiseur galactique? Une capsule, un autre astronef peut-être? Rien de rien? Désolé, Ratchet. Nous avons tout suivi grâce au radiophone. Vous n'y êtes pour rien. Le capitaine Quark est mort en héros. On adorait batifoler en faisant le parcours d'entraînement ensemble au petit matin. Le capitaine Quark était, paix à son âme, une personne fantastique dotée de grandes qualités. Lesquelles? Lesquelles? Ouais, c'est ça, merci, t'es un pote. Bah, il avait... il était très grand. Et puis, il avait des goûts vestimentaires uniques, hein, faut le dire quand même. Et puis, il avait un grand menton avec un truc, là, c'est comme une paire de fesses au bout. Voilà, oh, le pauvre. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je voulais vous dire que je suis de tout cœur avec vous. La mort de Quark est un vrai drame. C'était un pur héros. Doux, honnête et courageux jusqu'au bout des dents. Quel ramassis de... Quark nous a quittés, mais vous avez hérité d'une partie de son sens inné de l'héroïsme. Je sais que la force Quark saura en être digne. Courage, messieurs. C'est un colibord, Quark. C'est le chapitre 4 du vidéo fun de Quark. Il me revient de droit. Merci, Al. Ça nous donnera peut-être une idée sur les plans de Nefarious. Épisode 4. On prend les mêmes et on recommence. Après avoir vaincu le docteur Nefarious sur la planète Magmos, Quark regagna ses pénates à Metropolis pour une permission bien méritée. Oh, John, il est temps de te dire la vérité. Ce bébé n'est pas de toi. Quoi? Qui est le père? Oh, ton frère jumeau diabolique, Striker. Mais Pamela, je suis Striker. Ah, c'est sûrement le livreur de pizza. Guten Tag, Capitaine Flask. Non, oh, Helga, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour te secouer les puces. Tu as sacrément enflé. On dirait une saucisse verte géante. Un petit parcours d'entraînement pour la forme. Ah, oh, bon, d'accord. Pendant ce temps, du haut d'un toit surplombant les rues animées de Metropolis... L'heure de ma vengeance a sonné. Allez, mes serviteurs robotiques, démolissez cette ville! Apportez-moi la tête du capitaine Quark! Ah! Yeah.
Il y avait une plateforme en dessous, hein. On la voyait. Non ? Merde. What? On peut tirer... Ok. Oh.
Oula. Oula là. Il me manque beaucoup de trucs là. Quoi ? Tu vas me le payer ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, le nain ? Ce n'est pas fini, quoi. Je jure qu'un jour je reviendrai pour te détruire et humilier la ville de Métropolis tout entière. Juste un petit conseil, Nefarius. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais on dirait qu'il manque quelques pages. Merci, professeur. Je vais prendre la suite. Et c'est ainsi que se termine la plus grande histoire de bravoure et d'héroïsme. C'était la véritable histoire du triomphe du capitaine Quark sur l'abominable super méchant connu sous le nom de Dr. Nefarius. Tu veux pas débloquer les costumes secrets de Quark? Bon, avec les cheat codes, essayons. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, rond, carré, carré. Oh la vache, ok. Il est en tutu. Métropolis, c'est là que Nefarius va commencer. T'en es sûr? Et comment, ma belle? Il voulait détruire cette ville il y a des années, mais Quark l'en a empêché. Il avait promis qu'il reviendrait un jour pour finir le travail. Alors maintenant qu'il a son arme secrète, il va passer à l'attaque. Mettez le cap sur Métropolis. Pourvu qu'on arrive à temps. Ok, donc mon objectif c'est 40. Au niveau des échelles. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire un skip. Ce que je voulais pas du coup. Ah oui, d'accord. Ah putain. Il faut que je tourne mon chien, j'en ai marre. Ça me saoule.
Ok, il m'en manquait 20, du coup. Ok, j'ai les 10 derniers. Et par contre, l'upgrade... Ok. Bingo. Du coup, l'upgrade de vie est là et après. Ça, c'est malin, j'ai plus d'armes. Tout mis à côté. Mais non. Mais si, tout mis à côté. Bon bah tue-moi, hein, ce rang là. Thank you.
Merci Nicolas, 150 720 pour le follow. Déjà commencé. Le docteur Nefarius doit sûrement être dans les parages. T'es sûr que tout va bien, Clank? Al devrait peut-être vérifier tes circuits. Comment trouvez-vous mon invention, Clank? Je l'ai appelé Clunk. Votre imbécile d'ami semble beaucoup l'apprécier. Bientôt, la nouvelle série culte s'appellera Agent Secret Clunk. Vous avez entendu ça, Lawrence? Vous avez l'art d'amuser la galerie, monsieur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ce jour, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle ère. Mes années d'obscur labeur et de douloureuses frustrations vont bientôt trouver un dénouement heureux. Je crois que c'est peine perdue. Ratchet va mettre fin à toute cette folie. La seule fin que j'entrevois pour Ratchet, c'est la fin de ses propres jours. Et vous, vous serez en première ligne pour voir ça. Bon, d'accord. Putain, ce qu'il m'a mis. Bon, par contre, là, je pense vraiment que c'est optionnel ici. Pourquoi il serait HS maintenant? Ah.
ça, à mon avis. Ah non, c'est. C'est l'heure, Lorenz. Il est temps de révéler à cette galaxie son nouvel avenir. Celui que j'ai choisi pour elle. Pardon, vous m'avez parlé, monsieur. Activez le système. Plus vite! Écrivons le nouveau chapitre de cette galaxie. L'âge des robots! Dieu est mon ange robot. Ton amour me fait Lorenz! Oh, mon Dieu, c'était votre audition pour Star Galactic, n'est-ce pas? Oh, mes excuses, monsieur, je suis confus. Je vous en prie, monsieur, continuez. Putain, le coup de sniper là-haut. Merde. Ah oh bah. Je me suis fait ruiner. Oh. C'est vrai que c'est fort ça. Je
Il est un peu traître ce passage en vrai. Clank, c'est le docteur Nefarious et son majordome. Et oh, ils ont Clank. Ils t'ont fait prisonnier. C'est quoi ce Beans? Mais comment j'ai pu être assez stupide pour me faire avoir? Parce que évidemment j'imagine que c'est lui le gentil Clank, hein. Ouais, évidemment que c'est lui. J'ai tellement ri aujourd'hui que j'ai un point de côté. Je dois admettre, Ratchet, que tu es un adversaire considérablement plus valeureux que cet imbécile de Quark. Hélas, j'ai une galaxie à conquérir. Notre petit jeu va donc s'arrêter là. Quel dommage que tu ne vives pas assez longtemps pour voir ta race tout entière exterminée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, Ratchet. Tout est ma faute. Bah, te rouille pas pour ça, hein, Clank. C'est de la faute de Nefarious. Et il paiera pour ça, pour Metropolis et pour ce qu'il a fait à Quark et à Skid. On va tout faire pour ça, mon pote. Allez, on quitte cette planète si on veut pas mourir. Ou pire.
quelques heures, bioblitérateurs ont dévasté Métropolis. Ces engins ont ensuite disparu et demeurent encore introuvables. Les citoyens galactiques sont terrorisés, car le docteur Nefarious serait susceptible de reproduire ses attaques dans toute la galaxie. Nous sommes en direct de Marcadia avec le président galactique. Monsieur le président, l'attaque sur Métropolis influera-t-elle sur votre réélection en automne prochain? C'est une bonne question, Darla. Notre enquête démographique indique que les robots constitueront pas moins de 100% de la population galactique d'ici la semaine prochaine. Ce qui est une grande nouvelle pour ma campagne de réélection, car, comme chacun sait, je suis moi-même à moitié robot. J'en crois pas mes yeux. C'est comme si Nefarious avait déjà gagné. Ah bah c'est peut-être le cas, parce que si on trouve pas vite ces bioblitérateurs, on deviendra tous des robots. Même si j'ai rien contre les robots. Hein. Une petite seconde. Avant que le croiseur galactique n'explose, Quark a dit qu'il cherchait quelque chose. Ouais, c'est pas gagné, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Le croiseur s'est crashé sur Zeldren. Allons jeter un petit coup d'œil. On y trouvera peut-être ce qu'il cherchait. On commence à avoir les armures à 250 000 là. Est-ce que c'est le... Non. C'est...
pas un vendeur gadget. Une capsule de secours! Elle doit venir du croiseur galactique. Et là! Regarde! Des empreintes! Quelqu'un d'autre est sorti de ce vaisseau vivant! On l'a manqué de peu. Ce brise-bonbon de poche est encore tout chaud. Il y a eu un appel depuis la radio d'urgence de la capsule. Il a été enregistré. Supernova Taxi! Il me faut absolument un taxi tout de suite! Oh, c'est mon jour de chance, on dirait. Où est-ce que je passe te prendre, poupée? Je suis sur la planète Zeldren, juste à côté du croiseur galactique craché. Vous ne pouvez pas le rater. Le croiseur craché, hein? Toi, tu sais faire la fête, bébé. Et si on se retrouvait ce soir au cyberdisco? Fais gaffe, gamin. Je veux dire, calmez vos ardeurs. Désolé, madame, j'ai pas pu m'empêcher. Faut dire, une femme comme vous, avec une si jolie robe... Quoi, ça? C'est juste un vieux bout de rideau. On va où?
Je vous le dirai quand vous arriverez. Et si vous le gardez pour vous, vous aurez 5 boulons de récompense. Oh, encore une chose. Vous auriez pas un pack de recharge pour ce truc? Un brise-bonbon B20, hein? Ah, ça me plaît de plus en plus. Ah, j'aurais dû m'en douter. De quoi? Que Quark avait une sœur? Une quoi? Mais non, qu'il est toujours en vie. C'était Quark. Oh. Mais pourquoi n'a-t-il pas contacté le Phénix? Parce qu'il veut qu'on le croie mort. Ah, ça sent mauvais, Clank. Bon, gardons ça pour nous jusqu'à ce qu'on sache ce que Quark manigance. Parce que si la force Quark apprend qu'il a filé alors qu'elle compte sur lui, ça va lui miner le moral. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Quoi? Qu'est-ce qui m'a caquise, lui? C'est un disque de données. Quark a dû le prendre sur le croiseur galactique. Ouais, c'est sûrement ça qu'il voulait récupérer. Retournons au Phénix pour le décoder. Thank you.
Pourquoi elle tire sur le sol? Ah, parce qu'il y a un truc cassable. Je suis pas très chaud là, ça ressemble plus à une bataille qu'à une fête, non? Je vous avais dit que ça lui plairait pas. Vous savez quoi? Bougez pas les gars, j'arrive dès que je peux. Aridia, ça me parle. Ah ouais. On est... Vous êtes arrivé juste à temps, sergent. On dirait que les noïdes se préparent à... On est proche de la fin. Attaqué par ces tunnels. Attention, tu ces tyrannoïdes. De toute façon, tu vois bien, je suis à max en upgrade de vie en plus. Donc. Accompli. Heureusement que les Rangers étaient là pour vous sortir de la... Sergent, il y a des noïdes partout. On a besoin de renforts. Je ne veux pas mourir. Je crois qu'on va avoir des surprises.
sur ce coup-là, sergent. Ouais, on peut vraiment pas sécher notre cours d'aérobic. N'oubliez pas, mettez 2-3 coups à ces gros nazes à 4 yeux de notre part. En 23, quand j'ai affronté une armée de pirates fantômes robotiques avec un simple canardator et un brise-bonbon à moitié vide, c'est pour ça que les anciens vous appellent le nettoyeur chef à toutes les unités. Silence radio, et qu'est-ce que ça fait d'être un héros chef? Continuez J31. On va voir si vous êtes un expert en nettoyage dans les 6 prochaines semaines. C'est vrai que j'ai toutes les armes en fait quasiment. Accompli, tous les Rangers se rassemblent. Sergent, on doit
activer ses tourelles pour créer un périmètre défensif autour de la vallée. Par là et garder cette tourelle. Vous savez, au cas où les noïdes mijoteraient quelque chose, vous vous chargez du reste. Putain, heureusement qu'il se gêne. Périmètre sécurisé, encore une victoire des Rangers. Et essayez de nous donner un coup de main la prochaine fois. On a fait fuir les noïdes. Si quelqu'un pouvait les repousser jusqu'à leur tunnel, on pourrait attaquer directement la base ennemie. Il y a une salle pleine de noïdes là-bas, sergent. Entrez et faites le ménage pendant que je couvre vos arrières. Vaisseau en approche. À couvert, les noïdes arrivent par le pont. On se replie. Un vaisseau tyrannoïde bloque la sortie du tunnel. La base ennemie est ouverte. C'est le moment d'en finir. Je vous informe que l'avant-poste X-12 est hors de danger. Hey, sergent, par ici. C'est ultra court. C'est un télépad idéal pour s'échapper. Tenez, j'en ai un autre. Thank you.
quoi de neuf, Al? Eh ben, la matrice neuronale de ce simulacre autonome a enregistré une empreinte de la psyché transversale originelle lors de sa phase de rétention. J'avoue que j'ai décroché juste après, eh ben. Il veut juste dire qu'on devrait pouvoir inverser le processus. Ouais, ça tripe grave. Cool. Enfin, je crois. Al, on a le disque de données du croiseur de Nefarious. Est-ce que par hasard, tu pourrais le décoder? Bien sûr. Oui. Ah, cryptage asymétrique de classe Oméga. Hey, hey, enfin un défi à la hauteur de mon talent. Ah, au fait, on a trouvé un truc très intéressant dans les quartiers de Quark. Hey, si c'est encore un brise-bonbon, je veux même pas en entendre... C'est un vidéo fun de Quark. Plus exactement, c'est l'épisode 5 des aventures du Docteur Nefarious. Mais comme chacun sait, seulement 4 numéros sont parus. Même mes potes du fan club des Castor Quark ne connaissent pas ce numéro. Et pourtant, ces mecs-là sont des vrais fans, tu vois le genre? Ouais, je vois très bien. Bon, ben, merci, Al, on va vérifier ça. Bon, on fait ça et puis on va s'arrêter. Voici la véritable histoire, celle que le capitaine Quark vous dissimulait. Le seul, l'unique chapitre manquant, inédit, non censuré, absolument invraisemblable, des aventures de Quark, âme sensible, s'abstenir. Juste un petit conseil, Nefarious. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais il avait tout faux. Oh les fesses! Quelqu'un a parlé? Pourquoi vous avez été si lent? Je choisissais de nouveaux rideaux pour la chambre de torture. Ils sont en velours frappé avec une fine bordure dorée. Oh, je pense qu'ils pimenteront agréablement l'espace. Bon, on s'en fiche. Prenez Quark et déguerpissons d'ici. Tout de suite, monsieur. Oh, Quark, je n'ai jamais rencontré un homme comme vous. Je m'intéresserai plus jamais aux autres âmes. C'est ce qu'elles disent toutes. Où suis-je? Tu es dans ma prison secrète, attendant le plus astucieux et le plus dépravé de tous les châtiments jamais imaginés. Venez, Lawrence, c'est l'heure de mon message. Ah, youpi. Grâce à sa quarktastique antenne, Quark réussit finalement à ouvrir la porte de sa cellule. J'y suis presque. Mais son évasion ne passa pas inaperçue. Oh oh.
les yeux, surtout pas. Baisse pas les yeux, surtout pas. Baisse pas les yeux, surtout pas. Le robot qui me ramène la tête de Quark aura droit à un visage gratuit. Les autres seront désintégrés.
Il va m'en manquer un. Non, c'est bon. Une bonne chose est faite. Suite à son évasion inespérée des griffes du docteur Nefarious, Quark se retira de la scène publique. En vérité, Quark se terrait dans sa cachette secrète dans la ceinture d'astéroïdes de Tran, terrifié par la possibilité que le docteur Nefarious mette à exécution sa terrible vengeance. Voyant que Nefarious ne réapparaissait pas, Quark supposa qu'il ne reviendrait plus jamais et reprit sa carrière de super-héros très en vue. Mais la galaxie allait bientôt avoir des nouvelles du docteur Nefarious. Aïe ! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites en douille ? Tenez bon, monsieur, c'est une procédure très délicate. Là, ça devrait faire l'affaire. Allez-y, marchez un peu pour voir. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont mes bras ? Qui laisse derrière ? Oh, pardon, monsieur, c'est ma faute. Là ! Oh là là, il faudra bien réparer ça. Un de ces jours. Je le savais, ça. Quark nous cache quelque chose. Mais pourquoi nous mentirait-il? Mec, Quark est bidon, bidon, bidon. Ouais, ben t'auras qu'à lui demander quand on le verra. D'après le vidéophone, Quark a une cachette secrète dans la ceinture d'astéroïdes de Tran. Je parie que c'est là qu'il se terre. Il dit qu'il veut nous accompagner. Non, je crois pas que... Attends une minute. Tu parles le singe, toi ? Oh, juste un peu. Non, allez, quoi encore ? Il dit que tes oreilles ressemblent à des crottes de castor de Florana. Mais il a fait l'école du rire des macaques, dis-moi. On verra Siri toujours quand il découvrira que son pote Quark est de mèche avec Nefarious. Commandant bidon. Mais enfin, jamais Quark ne... Il a bien fait équipe avec Drake. Et je te parle pas de cette sombre affaire de proto-animal. Qui sait de quoi il est capable? En quoi? Mais du coup, on doit aller prendre pour l'armure. Je sais pas où je peux les voir. 250, oh parfait. Bon, on va s'arrêter là pour ce live, on finira le jeu ce soir du coup en stream, grande soirée, que peut-être le début du NG+, hein, évidemment. Merci de m'avoir suivi, des bisous à tous, ciao.